France 1918. Pendant la Première Guerre mondiale, les caméramens du monde entier ont pris des risques pour tourner ces images. Ils en ont reconstitué certaines. Nous avons rajouté la couleur et le son. novembre 1918, 11h du matin. Ce jour-là, c'est le silence. L'armistice est signé. Clairons et cloches sonnent le cessez-le-feu. Le soldat canadien George Price vient d'être tué. C'est le dernier mort de la guerre. De 1914 à 1918, près de 80 millions d'êtres humains ont été plongés dans la guerre. Dix millions sont morts, fauchés par les balles, déchiquetés par les obus, brûlés. Affamés, dévorés par les poux, les rats, tués par les épidémies, nés de la misère. 20 millions ont été blessés. Quelle démence s'est emparée des Autrichiens, des Serbes, des Russes, des Allemands, des Français avec leurs colonies, des Anglais avec leur empire. Des Italiens, des Japonais, des Turcs, des Américains. Ils ont de la chance, ceux qui s'en sortent vivants. Mais ils ont perdu leur jeunesse. Ou leur visage. Ou leur raison. Comment le monde a-t-il déchaîné une telle furie ?